Alors, Monsieur Bakary, merci d'avoir répondu à notre invitation. Que représente l'organisation de cette nouvelle édition du FIAD 2024 pour vous et pour le pays? Permettez-moi tout d'abord de remercier le groupe Atidjari Wafa Bank aujourd'hui qui nous a donné l'opportunité de participer à cette session de FIAD 2024. C'est un grand plaisir pour nous d'y prendre part et ça nous donne l'occasion et l'opportunité de présenter à ce grand public, aussi à des investisseurs marocains et internationaux, les opportunités d'investissement au Sénégal. Donc, nous avons eu l'opportunité d'assister à la cérémonie d'ouverture. Nous avons participé au marché de l'investissement. Nous avons pu réaliser notre pitch pays comme convenu. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour recevoir les investisseurs. Nous venons tout juste d'en recevoir un qui est très intéressé par le Sénégal. Voilà les raisons pour lesquelles on est là et nous sommes à la disposition de tous les investisseurs pour présenter le pays et les opportunités du Sénégal. Monsieur Bakary, quels sont les secteurs prioritaires pour les investissements étrangers que le Sénégal souhaite promouvoir ici? Je suis tenté de dire que tous les secteurs sont prioritaires parce que le Sénégal aujourd'hui entre dans une nouvelle ère où aujourd'hui le secteur primaire et le secteur secondaire qui doivent constituer les piliers de notre économie sont en retard en termes d'investissement. Les investissements qu'on reçoit le plus au niveau des services et du pétrole et du gaz, vu que le Sénégal vient de rentrer dans le cercle restreint des pays producteurs de pétrole et de gaz, aujourd'hui, nous comptons diversifier nos secteurs prioritaires d'investissement pour mettre le focus justement sur le secteur primaire à travers l'agriculture. Et au niveau de l'agriculture, nous attendons beaucoup d'investissements dans l'aménagement du foncier, dans l'aménagement agricole, parce que nous avons les potentialités et les dispositions pour pouvoir augmenter notre capacité de production et il nous faut maintenant aménager les zones dédiées pour accorder à des investisseurs des droits de propriété pour qu'ils puissent augmenter la capacité de production du Sénégal au niveau de l'agriculture. Et naturellement aussi également, qui dit agriculture, dit dispositif de stockage. Donc le dispositif de stockage aujourd'hui constitue un secteur qui nous intéresse beaucoup pour pouvoir assurer notre souveraineté alimentaire. À côté de cela, maintenant, nous avons le dernier cycle, c'est l'industrialisation des industries pour transformer notre production agricole. Parce que comme vous le savez, le président Bassirou Diomaye, nouvellement élu, a décliné sa vision sur la souveraineté alimentaire et ça passe par ces triptyques-là, production agricole, stockage et industrie de transformation, produisons ce que nous consommons. Voilà le mot-clé du Sénégal aujourd'hui. Pouvez-vous nous parler des opportunités spécifiques d'investissement ou de partenariat que le Sénégal offre aux entreprises présentes ici au Forum? Pour parler d'opportunités de partenariat, justement, le Sénégal, nous défendons l'idée d'un partenariat sud-sud. Et aujourd'hui, le Sénégal regorge d'un tissu industriel qui est embryonnaire, certes, mais qui est valeureux et qui présente plein d'opportunités. Aujourd'hui, nous avons rencontré un investisseur marocain qui est allé s'installer au Sénégal, qui a acheté une entreprise sénégalaise. Donc, ça veut dire que le potentiel est là. Et nous invitons aujourd'hui les investisseurs de quelque nationalité qu'ils soient, parce que nous sommes ouverts au monde, de venir voir le potentiel des entreprises, des entrepreneurs sénégalais qui sont sur le marché, qui maîtrisent le marché, mais qui ont besoin d'un appui supplémentaire en termes de technologie, en termes d'investissement. Voilà les opportunités qu'offre. Parce que nous, qu'offre le Sénégal. Parce que nous, ce que nous comptons réellement faire, c'est renforcer le partenariat Sud-Sud. Que ce soit du Maroc jusqu'en Côte d'Ivoire, au-delà jusqu'au Nigeria et en Afrique du Sud. Nous croyons à ce panafricanisme-là et nous croyons au renforcement des relations Sud-Sud. C'est pour ça que nous continuons à présenter les opportunités à travers les forums qu'organisent nos différents pays. Et nous comptons également bientôt organiser notre propre forum d'investissement pour renforcer ces partenariats. Ces partenariats peuvent se faire dans le domaine industriel, mais également dans le domaine des services, qui aujourd'hui offre des opportunités pour le Sénégal, pour les investisseurs. Une dernière question. Quels sont selon vous les leviers pour dynamiser l'investissement intra-continent? La facilitation, c'est l'APEX, la facilitation pour l'accès au marché sénégalais. Aujourd'hui, nous comptons mettre plusieurs outils. Nous comptons déjà nous étendre à l'intérieur du pays parce que nous avons la stratégie de territorialisation de notre politique d'investissement.
Nous avons déployé au niveau des régions 3 plateformes d'investissement pour accueillir les investisseurs. Au-delà de ça, nous comptons mettre en ligne très bientôt une banque de projets d'entrepreneurs sénégalais qui sont déjà sur le marché et qui ont besoin de partenariats. À ce niveau-là, nous comptons mettre en ligne ce banque de projets-là et d'autres outils, les zones économiques spéciales et les zones d'aménagement pour l'investissement, qui sont des outils, des offres aujourd'hui structurelles pour accueillir des investisseurs.